Yon l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec équipe Bombad Media now là depuis Bombado Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Dirigeant Union Organisation Force Sociale d'Haïti a renouvelé attachement lié avec président République là, Jovenel Moïse. Et nous voulons faire qu'on ait coordination tête calée dans commune Kafou, mandé président République là Jovenel Moïse pour prendre toute disposition pour remplacer un cartel magistrat yo estimé qui rivé dans faire mandat yo. C'est information ça nous porter pour. Si c'est première fois visiter nous information nous partager ou intéressé ou pas oublier abonner avec Bombad Media Now et puis ouvrir chaîne notification ça permet de faire partie équipe notification Bombad Media Now là. On suive. Pour faire suite avec déclaration ministre justice qui c'est pas une blague. Messieurs dames, moun en dans pays d'Haïti bagarre contre 509 là a questionné tout haïtien général. Nous-mêmes, nous n'avons pas de problème avec SPNH qui a fait une revendication qui est juste. Je dis, nous sommes tellement à l'aise, nous sommes planifiés pour être capables d'assassiner un président qui est élu par le peuple. Côté que, pour nous-mêmes, nous sommes terroristes. Nous avons un plan pour assassiner ni le président de la République, là, ni le ministre de la Justice. Là. Et nous avons quitté des policiers traditionnels qui, dans l'opposition, ont fait des manœuvres pour être capables d'hypothéquer l'avenir. Président Jovenel, 7 février 2022. Je dis à vous de venir parler ensemble avec M. Fantôme 509. Monsieur, ressaisis-nous. Pas oublier toute photo nous qui est allée dans toute ambassade qui s'est amie pays d'Haïti. Ou la question des terroristes, beaucoup de mentions qui sont à travers tout pays, à travers le monde, à travers tout pays sur la terre. Ils ont seul point commun pour travailler, pour battre contre tout terroriste. Je dis à monsieur, c'est la première fois que nous sortis, nous craser machine. Nous-mêmes boule Radio Caraïbes, nous-mêmes craser tout presque toute administration publique qui nous sent métropolitaine. Je dis à tout le chacun de sortir. Nous-mêmes, population, c'est menace de la population qui nous sent. Je dis à nous, nous ne sommes nous, ça vient de nous appeler, nous sommes équipe délinquants, nous sommes équipe vagabond, nous sommes équipe qui mettent nous comme terroristes qui besoin de craser le pays. Je dis à nous, nous suivre la lettre, déclaration ministre dit. La guerre comme à la guerre. Comme nous-mêmes, nous ne pouvons pas mettre l'huile dans du fer. Nous avons dit que monsieur André saisit nous pour nous nombrer commun. Je dis là, pour équiper monsieur, opposition, ça, nous avons fait vie après son administration publique. Je dis à ces policiers, pas quitter monsieur, dames, ça, mettez nous devant pour prendre pouvoir. Nous sommes en bataille contre le président Matéli. Les Matéli mettent pouvoir, nous avons rançonné toute administration publique net. Nego volé tout comme dans BMPAD. Je dis à Nego besoin de transition. Je dis, monsieur, Damio qui est dans l'opposition. Je dis, nous-mêmes, nous faisons comprendre que ouais, le pouvoir 7 février 2022, c'est mon blague lié. Moi, bien content, c'est pas Matéli qui a organisé l'élection. Son président Lavalas, si Lavalas là, c'est pas Jovenel qui était élu, Lavalas qui est le privé, pas d'ab, jamba Jovenel pour voir ça. Et parce que c'est le peuple qui était voté, président Jovenel. Je dis, si on est ressenti que frustré, c'est par les unes pour planifier pour l'élection. Je dis, on ne peut pas comprendre, une équipe délinquante, qui est sorti pour assassiner le président de la République, là, que on peut élu, on peut voter démocratiquement. Je dis, on m'a demandé au plus haut niveau de l'État pour que nous puissions prendre des dispositions pour assurer la sécurité de la population haïtienne qui est dans une situation difficile. Maintenant, vous attendez, nous station radio, qu'on ait plus espérance faire connaître que. Déclaration ministre de justice sur déclaration de guerre. Oui, nous connaissons bien l'espérance. Toute déclaration ministre de justice sur déclaration de guerre. Pour même vous sommes cap conscient de démagogie, bagaille délinquant, bagaille terroriste, ou associé ensemble avec Sacré Lé et monsieur Fantôme 509. Nous sommes en 2004, l'homme de bataille contre Jean-Bertrand Aristide, t'es que Lick Mandelil, t'es que ministre Affaires étrangères Claude Joseph, t'es que Hervé Sétilis, t'es que Fednel. T'es qui fait Nel, t'es qui Rose Bonjean, l'ensemble de faire manifestation, c'est même ou même encore qui a caché nous nos partis, nos organisations politiques, voisines, mon nom. Même quand on est dans la politique, non que les espérances sont toujours dans l'opposition, c'est même monsieur qui dévoile jamais de la réussite d'aller, c'est même monsieur qui planifié, non, ben ça crée les Guy Philippe, Zam, tout fait jonction.
Je n'aime pas qu'à comprendre que Pierre Espérance ça, c'est même lui-même encore qui a vu prendre pause, les pires réels, les pires en faveur de M. Fantôme 609. Yo. Je dis, hein, M. Fantôme 609, yo, nous parlons de les Pierre Espérance. C'est moi contre Pierre Espérance. C'est Rosemont Jacques contre Pierre Espérance. C'est Hervé Sétus contre Pierre Espérance. C'est nous-mêmes qui débattons contre Jean-Bert Laïcide. Ouais, mais c'est que les Pierre Espérance là, monsieur Regal, on cancer son virus qui est lié. Au contraire, si monsieur était bon, madame Yolette Gilles tape bon côté. Au contraire, si madame Yolette Gilles tape, si madame Yolette Gilles tape couille qui des monsieur, n'est même qu'à planifier pour faire assassiner même madame Yolette Gilles, parce que l'argent, même pas de l'argent, l'argent on a, madame Yolette Gilles tape, même au courant de l'argent ça, monsieur disparaît l'argent ça. Au contraire, on a une déclaration, monsieur, nous devons connaître que le directeur CIA, c'est un gouvernement, c'est gang, gouvernement qui baille. Monsieur, Fanny Deris, son jeune garçon qui ne fait qu'il de droit. Je dis, je vais lancer un appel solennel à toute la presse. Amenez nos micro-trottoirs, la faculté de droit, pour M. Faculté de droit, dire ce baron M. Franz Ideris, qui est un directeur CAS. Pendant que je parle de ces gangs, je vais profiter pour lancer un appel solennel à nouveau directeur CAS. Pour M. Espérance, pas manipuler Mounial Langan, je vais dire, mettez restaurant communautaire, ben, toutes les jeunes garçons et jeunes femmes qui sont dans le quartier populaire. Parce que c'est rôle de Espérance. C'est agir avec un paquet de nègres qui ont mauvaise intention dans le quartier populaire pour planifier contre, pour planifier coup d'État contre le président Jovenel. Jodi a nous dit, il y aurait un bagage là-bas, pas douce, et puis, ouais, le président Jovenel, là-bas, il y a une leçon sur les nègres qui sont en position. Chaque gouvernement qui est en position, il y a une leçon. Je ne sais pas, j'aime quand le président Jovenel aller. Président Jovenel a fait 5 ans comme président. Selon la constitution pays, la première échappe par un nouveau président Kabeli. Le coronavirus a fait rage de tous côtés. Il est plus violent. Il faut que nous suivions plus près toutes les consignes de l'autorité pour nous protéger la tête nous et protéger l'autre monde. Et nous avons salué de façon spéciale le président de la République et tout le monde du gouvernement qui doit déjà changer tout le cartel magistrat. Qui finit le mandat depuis janvier 2020. Oui, oui, oui. Côté en pile dans le cartel, ça n'a pas réglé rien que sérieux. Là, on prend Megafoua, ancien président Fenam, démagogie de Loi Pierre, c'est marché chanté dans la radio et la télévision toute journée pour le faire plusieurs gros millions de goudes sous deux fédérations dans causer assainissement. Pour le faire club, chawa pété et piscine. Avec divers lots millions qui décaissaient dans la caisse mairie pour faire projet bidon. Pendant que les gens étaient sales, tant que peintidants. Alors ce que le président Tebaye, une flotte matérielle, engin lourd dans le programme caravane pour porter les communes. Sans compter divers lots matériels, cadeaux, les communes ont été recevoir dans les USAID Local Plus et Minusta. Matériel que personne dans la commune n'a pas oué. Eh bien, coordination tête calée à Kalie Lio, dans Kafou, a tout profité dit ancien magistrat démagogue là, boutique là, rasé. Boutique là, rasé. Parce que pas gain amour ni fenam encore pour faire cob sous prétexte libéral débloqué pendant que nèg cap lokyo a dormi même côté avec. On y a, j'ai Jojo Eclé, qui compte tout ou libé. Ancien magistrat Jude, après 6 ans directeur général dans mairie Kafou, 6 ans magistrat, bilan c'est corruption et malversation. Pour toute raison, ça y est, coordination tête calée à Kalie Lio dans Kafou a demandé à l'administration Moïse Joutla, pressé, pressé, changer toute cartel magistrale. Parce que moun Kafou, bouquet ak ancien magistrat ça qui fin gaspiller bien commune nan. Et puis pour coup des comptes je les compte toute mairie pour faire bonjour audit parce que ça qui est passé en 2015 là côté un tonnel qui pas jamais fini qui représentait pour marché malanga te coûter mairie à plusieurs millions goudes ak paquet l'autre désordre encore et malgré ça ancien magistrat de joindre des charges sur toutes des autres sailles. Vois ça. Mon Kafou réveille ça sa pas passé. Parce que nous-mêmes, dans la coordination, nous avons une capacité administrative et technique
pour nous propter commune et gérer bien commune. Nous commençons à ajuster. Parce que COVID-19 là, nous pas gagné rien que nous avons fait pour lui, c'est vivre pour nous vivre avec. Et là maintenant, nous ici là, c'est dans le cadre de réouverture aéroport là. Nous n'avons pas de date pour lui, mais nous avons discuté dans le nouveau gouvernement avec les responsables. Mais par l'empile avec le ministre des Travaux publics là, nous sommes là avec le directeur général là. Nous sommes censés discuter et nous avons ajusté, nous avons renforcé les mesures de sécurité, mais plus en matière sanitaire. Parce que l'aéroport là, son côté qui sève déjà, il y a toutes mesures de sécurité, sécurité tout court. Mais là maintenant, sécurité sanitaire, yo, nous venons visiter, nous garder, nous, le directeur général là, il fait un pile travail déjà, il mettait des pamphlets, distanciation sociale, yo, à respecter, si nous garder sticker que il mettait à terre. Avait dit, nous avons fait tout préparatif, nous, et puis l'un arrivé, après discussion avec le président de la République, là, puis toute ministre, et puis tout l'autre secteur, par exemple, association touristique d'Haïti, nous avons un ministère du tourisme qui a discuté avec eux. Nous avons tout association hôtelière d'Haïti. Il faut que nous parlions avec eux, il faut discuter avec eux. Tout intervenant qui est dans le système, il faut que nous gardions, mais moi-même en tant que premier ministre, je dis, j'ai un aéroport à vide là, c'est comme ça, casse publique là tout, livide. Après tout tumulte, tout problème politique que nous avons, nous ne pouvons pas continuer à gérer une économie comme ça. Malheureusement, nous ne sommes pas capables de parler même avec les scientifiques. Yo, parce que en tant que premier ministre, j'assure la coordination de tout le gouvernement. Avait dit, il faut me penser politique, il faut me penser économie, il faut me penser infrastructure, tout comme il faut me penser santé. Tout. La diaspora haïtienne est en souffrance, tout comme tout, ici, il y a plus de monde qui est en souffrance. Il y a des malades qui ont besoin d'aller à l'étranger, il y a des étrangers qui ont besoin d'initier tout qui est malade. Ça, c'est une belle. Un petit monde, ça, et la période où on a vu ça, il y a tout besoin de voyager. Ça, c'est une belle question. Et diaspora haïtienne, nous, je connais, il participe en pile dans la vie économique pays. Il y a bien ici, tu as toujours à monter descendre. Et comme je dis, je n'ai pas avancé là dans la saison et fête patronale. Et je ne peux pas empêcher mon vie de fête patronale. Et si l'aéroport Dominicani, Las Américas ou bien Puerto Plata, il ouvre avant, je ne peux pas cacher tout, il n'y a pas habillé tout le monde pour venir dans ces fêtes champêtres ici. Et dans le cadre qu'on est arrivé là, je me pose toutes les scientifiques une question. Pour combien de temps là? Qui est pour aller? Parce que nous ne savons pas qui est venu, qui est en train de faire. Mais moi, je me compte que la transmission communautaire, là, elle fait en pile. Parce que moi, chaque monde qui a la fièvre bon, ici, chaque monde qui a la grippe, bon. Tout le monde dit que ce n'est pas Corona. Nous, Haïtiens, même j'avais. Probablement, si je gagne tout, je me dis que ce n'est pas ça, c'est la fièvre ou bien grippe. Mais nous avons continué à renforcer la sécurité pour faire mon mieux mettre masque, parler avec eux pour mettre masque, laver mes mains régulièrement. Il y a un qui dit masse la chaud, il me dit attention, en bas terre, pichot toujours. Il y a un qui dit lui empêcher de respirer, bien, en bas terre, pas respirer même encore. Il avait dit, font souffrance, mettez masse à même, j'en mettez, je ne pas je ne pas tolérer, mais comme je ne veux pas mourir, je ne veux pas en bas terre qui pichot, et je prends précaution pour ne pas prendre, je lave mes mains, je mets masse, je respecte la distance que avec mon lieu, je ne peux pas sortir sans pas besoin de mal faire dans la rue. Je vais prendre la caille autant que possible. Et c'est consigné ça, mais de toute manière, l'aéroport n'est pas arrêté fermé. Moi-même, moi, non seulement je fais un plaidoyer pour relouvrir l'aéroport, là, mais je fais un plaidoyer pour l'aéroport là, relouvrir, pour la diaspora continuer à rentrer sortir dans le pays, pour les gens qui sont malades, pour ne pas sortir, pour les malades de l'autre bois, qui convient de tirer les remèdes pour continuer à venir. Nous connaissons là, il y a un malade qui a le docteur. Docteur, il y a un tour qui vient sous les bouteilles ici. Visite ça, tu peux te dire. Mon cap réfléchi en mode aéronautique, constater, voyager dans l'avion, faire une menace pour le monde dans la propagation de maladie. Néanmoins, on a respecté toutes les règles sanitaires. C'est-à-dire, test préliminaire qui montre que nous n'avons pas de fièvre. Mettez-moi isolé mon nom pendant 14 jours, suivez. Si elle est malade, ouvrez la centre. S'il n'est pas malade, après 14 jours, il navigue à occupation. Je dis, il y a plus de monde qui est haïtien qui a besoin d'entrer dans le pays. C'est normal, il y a fait test pour eux.
Et même si vous faites test pour vous pas malade, il a suivi pendant 14 jours. Si vous pas malade, il a quitté le marché. Si vous constatez vous malade, il a fait suivre ça pour vous suivre. Te couper à nous dire là, c'est un bail qui a un problème social, monde qui besoin d'entrer dans le pays, économique, je dis un pays pas qu'à fonctionner, il y a des monde qui besoin de travail et grand pile film qui travaille, film étrangère qui travaille en Haïti fait route. Je vais parler des routes au CAI Jérémia. Je vais parler des routes RN3, plateau central Inch, Calo Caplan. Je vais parler des routes RN1, c'est-à-dire route qui fait au Cap, qui passe au Cap et qui est à Caplan. Tout le monde sait, c'est des gens qui créent emploi. Eh bien, il n'y a pas qu'à rentrer. Donc, même si c'est progressif, nous devons commencer à penser à l'ouverture à l'aéroport. Et les gens qui rentrent, faut qu'il rentre. Nous si aller dernièrement dans le débat qui était gagné dans le conseil des ministres le 2 juillet la République dominicaine pour ouvrir les portes. Il y a plus de monde qui est infecté passé non. Il y a plus de monde qui mourit passé non. Si nous ouvrons les portes, nous pas ouvrir pas non, haïtien qui besoin rentrer dans le pays après passer par Saint-Domingue, il y a passé en bas fil pour rentrer à Haïti. Kounia risque de propagation plus grande pour nous. Donc je dis, hein, nous pouvons payer à part, nous pouvons payer isolé. Il faut tenir compte de rôle géopolitique dans tout. Comment nous devons comment pour nous certainement, il y a des gens qui disent qu'ils ne comprennent pas le piclon. Oui, mais le piclon, comment il y a pas grand rien dit dans le piclon. Le piclon, c'est l'eau qui va sommer ou descendre, qui va avoir une fonction parabolique. Là. Donc c'est pour nous suivre. Et je dis, en tant que PM, nous disons qu'on a vu ensemble, pas grand monde qui compte qu'il est fini. C'est vivre pour nous vivre avec. C'est règle d'hygiène, règle sanitaire, règle MSPP bayo. C'est-à-dire, laver maintenant tout le temps, pas bailler la main, porter masque constamment, distance sociale là, respecter, éviter tout. C'est ça lié. Et de pour sentir pas bien, ou un médecin à l'hôpital. De pour faire ça, la maladie n'a pas propagé. C'est-à-dire, le gouvernement a goumé pour dans toute ville provinciale. Dans toute paysannerie, hein, pour que nous commençons à habituer à porter masque. C'est dans le cadre de ça que nous venons, débat fait, tout le monde a un rôle dans le débat, la presse et la société civile, le gouvernement, pour nous voir comment les Haïtiens pareils ont souffert, qui ont besoin de retourner dans le pays. Ou bien doit avoir le coronavirus sans pas tuer, mais maladie pour retourner dans le pays, c'est les tuer. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre. Dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.